get that bitch wet. We've been going hard for too long. Can't get enough for the shoe on. Really ain't nothing left to drop that. Wake up in the morning, make it all back. We've been going hard for too long. Eh bien, salut tout le monde, c'est Rien 48226. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Car je suis fier de vous annoncer que aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 4 ans que la chaîne existe. Et d'ailleurs, je vais vous remercier parce que c'est grâce à vous qu'elle continue à exister. Et aujourd'hui, bah, pour ces 4 ans, j'avais envie de faire un petit peu le tour de mes anciennes intros, etc. Et vous comprendrez mieux pourquoi après, à la fin de cette vidéo. Donc, on va commencer avec ma toute première intro qui est dégueulasse. On se l'est dit. C'est celle que j'avais mis dans ma vidéo précédente, donc sur Black Ops 2. Que je l'avais mise au début pour faire un petit troll, vu que c'est celle que j'utilisais à ce moment-là quand je jouais à Call of Duty, etc. Elle est, mais dégueulasse, donc je vais vous la passer maintenant. Donc voilà, la musique, franchement, elle a chié. Le reste a chié, mais bon, c'est une première intro, donc on va pas trop cracher dessus non plus. Donc voilà. Puis, après celle-là, que je n'ai quasi pas utilisée d'ailleurs. Et après, après celle-là, il y a une autre, avec un fond bleu derrière qui était encore pire. Enfin voilà. si je la retrouve, je vais essayer de vous la mettre, mais voilà. Puis il y a une autre intro, c'était un ami que je connais IRL qui me l'a faite vite fait, enfin c'était un template que j'ai jamais utilisé dans les vidéos et la voilà. Voilà, la musique elle est encore pire que celle d'avant. on dirait que c'est un JT télé qui arrive et le Aurélien 48226 Minecraft et Call of Duty il est magique. Voilà, c'est magique. Voilà. Alors, on a quoi après l'autre? Alors après, on a la fameuse intro qui est restée super longtemps sur ma chaîne que j'utilise, enfin qui est restée plus d'un an je crois. Elle est restée plus d'un an que j'utilise, enfin que je l'utilisais, ça faisait plus d'un an. C'est l'intro qui a été faite par un ami qui s'appelle MrAndy89. Si vous le connaissez, tant mieux. Donc voilà. Donc on va la passer. Donc c'est la fameuse intro avec mon écriture en orange et le clefon en métal. À part que c'est avec la toute première musique, donc donc voilà, c'est pas terrible non plus. Donc c'est parti les gens, je vous la montre. Bon, point de vue qualité, c'était déjà mieux. On peut se le dire. Point de vue de la qualité, c'était nettement mieux. Les textes et tout c'était propre, c'était la musique par contre c'était pas ça. À ce moment là la musique c'était pas ça, enfin j'avais des gros problèmes avec la musique moi. c'est pas possible autrement. Et puis j'ai changé la musique de cette intro. J'ai eu la bonne idée quand même de changer la musique de cette intro, j'ai gardé la même, j'ai juste changé la musique et voilà ce que ça a donné. C'est mieux quand même, hein. On peut se le dire entre nous, c'est nettement mieux, hein. Bon, après j'ai voulu ça j'ai quand même voulu changer de couleur un peu etc. Que la chaîne soit aussi nettement plus propre, donc j'ai changé tout,
tout, la bannière, le logo, j'ai tout refait. J'ai refait les miniatures qui sont franchement nettement plus propres comme ça. C'est plus facile pour vous aussi de voir, franchement. C'est plus aguicheur d'avoir ça, vous voyez directement c'est quel jeu, etc. Et donc, ça a été de même pour l'intro. Je l'ai changé, je l'ai faite moi-même. Et je ne l'ai pas sous la main, celle-là, je crois. Ah si. Et ça a donné... D'abord, il y a eu, il y a eu plusieurs essais pour l'intro. Je vais vous montrer la première que je n'ai pas gardée, parce que je vais faire un petit sondage sur Facebook, etc. Je vais d'abord vous montrer celle que je n'ai pas gardée, là, voilà. Celle-là, je crois que vous avez compris pourquoi je ne l'ai pas gardée avec le petit partenariat avec G2A qui le fait pas trop. Donc voilà. Si pas, c'est la même base que l'intro que vous connaissez aujourd'hui. De quelques petits trucs qui changent. Donc là, c'est parti pour la deuxième. Je crois que c'est encore une autre qui a une troisième modification, une un peu plus courte pour celle de maintenant, je regarderai. Mais c'est parti pour... Là, normalement, celle que j'ai gardée. Même à part qu'il y a juste le logo qui n'apparaît pas, donc voilà. Mais sinon, là, celle que vous connaissez aujourd'hui. Alors, l'intro que vous connaissez, alors, eh bien, c'est celle-là. Donc c'était exactement la même que celle que je viens de vous montrer, c'est juste le logo qui vient. Les deux premières c'était plus des tests. Et après grâce à vos propositions, vous m'avez dit laquelle des deux choisir. Bon, j'étais quand même plus pour la une quand même, mais grâce à vous j'ai pu affiner un peu plus le truc et tout, et c'est un peu mieux, mais bon, c'est toujours autant dégueulasse. Intro faite avec Sony Vegas, hein, on va pas se mentir, les textes buguent un peu et tout. Parce que voilà, c'est Sony Vegas quoi, ouais, et c'est pas terrible. Et là, je suis fier de vous montrer. De vous montrer, attention. Ma vidéo, je me prends du coca dans la gueule. Voilà. T'as acheté combien ton siège? Alors mon siège, c'est pas un X-Racer, hein, c'est style mais sans marque. Je l'ai acheté pour 100 balles, je crois. Un peu moins. À ce prix-là, t'aurais dû prendre. C'est pas un X-Racer, c'est du chinois. J'ai compris. Et ouais! Et qui la douille, c'est Bibi! Je viens de me foutre du coca partout! Toi aussi, t'es con, 100 balles pour du chinois. Et donc voilà. Donc en gros, c'était en live. J'étais en live d'ailleurs, le lien de ma chaîne Twitch, elle est en bas dans la description pour ceux qui souhaitent y aller la voir pour voir quand je suis en live. Et bien en fait j'étais en live, et je buvais normalement, car moi vous le savez normalement je bois énormément que ce soit en live ou en vidéo. Et donc, il y avait Iskazi qui était avec moi et on jouait à Black Ops 2. On devait se faire des 1 contre 1, je crois, au couteau, je sais plus trop quoi. Mais alors, il y avait quelqu'un qui me pose la question dans le chat. Tu l'as payé combien ton siège? Donc voilà, mon siège, comme je l'ai dit, c'est pas un... Comme j'ai dit dans la vidéo, c'est pas un DxRacer, c'est le style et tout. Mais je crois que je l'ai à peu près payé 100 euros, un peu moins. Là, t'as Skazi qui dit... Pour un DxRacer et tout, enfin il refait ce que j'ai dit, mais voilà, c'est pas, je sais pas, c'était drôle la façon qu'il a fait, et c'était pile au moment où j'ai bu,
Et j'ai tout recraché dans le verre parce que je me suis éclaté à rire, je me suis tout repris dans la gueule en fait, tout simplement. Et donc voilà. Et donc maintenant, je sais que vous l'attendiez, roulement de tambour. Je suis fier de vous annoncer et que j'ai une nouvelle intro. Voilà. Franchement, faut la changer, celle d'avant, comme vous avez pu le voir. Et là, je suis heureux de vous annoncer que j'ai une nouvelle intro. Je vais d'abord vous montrer le premier test que j'ai fait par rapport à la musique et tout, que j'ai pas gardé, mais la voici. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a encore un peu quelques petits bugs par rapport à celle-ci, par rapport au logo à la fin, etc. La musique qui finit en fort en aigu. Et c'est pour ça que ce ne sera pas celle-là sur la chaîne, mais bien celle-ci. Ce sera la nouvelle intro de la chaîne qui apparaîtra lors de la prochaine vidéo qui sortira. Voilà. Et je voulais vous en faire la surprise aujourd'hui pile. Pourquoi? Parce que ça fait 4 ans. Et je trouve que c'était un bon moment pour changer d'intro. Bon, je change pas toutes les couleurs, etc. encore. Hein. C'est juste l'intro et je vais essayer de regarder pour l'outro aussi. Mais voilà. Bon, pour ceux qui auraient déjà pu le voir, au-dessus, j'ai changé la bannière. Elle est nettement mieux ainsi parce qu'avant la bannière elle était dégueulasse. J'ai changé le logo aussi, j'ai fait pour que ce soit un petit peu allié pareil avec la bannière. Bon, il y a un petit décalage, mais parce que c'est pas facile d'aligner le truc parfaitement, mais si on n'y fait pas trop attention, ça rentre bien et c'est déjà mieux qu'un fond blanc en fait avec le logo. Voilà, c'est pour ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous la faire. Ça fait 4 ans et je vous en remercie parce que c'est grâce à vous. Et dire que il y a 4 ans. Quand j'ai créé ma chaîne, que j'étais tout petit, j'avais 12 ans là, même moins. J'étais en mode, je prends mon PC, je prends mon PC portable, je le place devant la télé, je joue à Call of, je filme en même temps, je commente, enfin, je faisais de la merde, c'était dégueulasse la qualité. Mais ça me faisait plaisir, j'ai toujours autant de plaisir à faire la vidéo. Bon, là, je vais plus me... Enfin, quand j'étais petit là, je me levais à 9h du matin, c'est parti, hop, je plaçais le PC, je jouais. Bon, là, faut pas déconner, bon, bien qu'il est qui 11h, qui est un peu passé 11h, mais bon, voilà. J'ai plus autant de temps que j'avais quand j'étais plus jeune, mais j'ai toujours la même envie de vous faire des vidéos et c'est ça le plus important. Et je vous en remercie de toujours être présent, d'être présent. Donc voilà, c'était Aurélien 48226. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si ma nouvelle intro vous a plu, qui va apparaître prochainement, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à mettre un commentaire, me dire ce que vous pensez de l'intro, etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner, si c'est pas encore fait. Ça me ferait extrêmement plaisir. On est aux 177 abonnés. Et donc voilà, c'est déjà un truc d'énorme pour moi, bientôt les 200, franchement. Je pense que c'est possible les 200. Pendant l'année 2016, je suis dans le turfu moi, l'année 2017. Pendant l'année 2016, il y a moyen d'avoir les 200. Donc voilà. Et si vous voulez aussi me rejoindre en live, quand je suis en live, n'hésitez pas à aller voir le lien vers ma chaîne Twitch. Qui est dans la description de mes vidéos, notamment de celle-ci. Et toutes les infos sur moi, Facebook, Twitter, où je poste, où je, enfin, je suis actif dessus quand même, je poste régulièrement des trucs, sont dans la description. Comme la vidéo du coca dans la gueule, je l'avais mise en non répertorié au début, et j'avais envoyé le lien sur ma page Facebook, pour ceux qui me suivent sur Facebook. Aussi, je vais continuer les séries. Les let's play comme je fais d'habitude, les séries comme présentation de mode Arma 3, j'ai toujours présentation d'Altis Life Civil qui est occupé. Plus tard, je vous ferai police parce que je suis de nouveau policier sur un autre serveur parce que c'est le serveur de John. Eh ben, il y avait pas assez de monde, etc. Enfin voilà, une longue histoire. Je vous continuerai les séries sur d'autres jeux. J'ai bien envie de vous reprendre la série sur les Sims 4. Vous me direz ce que vous en pensez.
Et LSPDFR, etc., etc. Et puis sur créer une ville aussi sur City Skyline. Ça me ferait vraiment plaisir. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je tenais aussi à vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2016. Donc voilà. C'était Aurélien 48226. Salut!